Salut à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous aussi, vous êtes bien installés. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. On va vivre ensemble ce match passionnant. Malines contre Exeter. Vous entendez les chants des supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football. Alors, la composition officielle de cette formation. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça permet une bonne domination de l'espace. Les 11 titulaires de cette équipe. Le 5-3-2 ou le 3-5-2, c'est toute la question. Qui vont faire les pistons sur les côtés? Ce qui compte, ce n'est pas le système. Ce sont les intentions, la volonté, l'ambition et les joueurs. Le coup d'envoi et le premier ballon de la rencontre. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Rémi Dugimon. À grosse pression, ballon perdu. Tir contré sans difficulté. Le ballon en touche. Allez, il faut l'aider de proposer des solutions. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. La perte de balle. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Rémi Dugimon. Ouais, bonne intervention là. Pression pour reprendre la possession. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Le ballon en touche. C'est propre, sans faute. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Ballon dangereux en profondeur. Oh, l'intervention du gardien.
le corner. Très facile pour le gardien cette balle. Ah, le duel est remporté, le ballon change donc de camp. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Rémi Dugimont. Frappe puissante juste à côté. Toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Et voilà une bonne récupération du ballon. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Le ballon est récupéré. Ah, la différence est faite. Ah, la frappe, c'est bien tenté. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Cornea. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Ah, c'est une interception réussie en pleine surface. Ah, il y a un contre possible à jouer là. Ah, bon ballon là, donné dans l'espace. Et le danger se précise. Encore une chance. Et très bonne intervention du gardien. Le corner. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Un super tacle et ce ballon est récupéré. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Ah ouais, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Il faut apporter le danger maintenant. Attention à ce ballon. Ballon facile, évidemment, c'est pour le gardien.
On le voit avec les statistiques, mais on le voit aussi sur le terrain. Ça manque d'une certaine attitude technique favorable à la création. On attend beaucoup plus de leur part. Bien corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Allez, bien frappé ce corner. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Le corner. Et ce corner est dégagé par la défense. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Olé, le bon mouvement. Et le tir part bien. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Intéressante avec pas mal d'options disponibles. Quelle belle occasion gâchée, le ballon file en 6 mètres. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Gomis. Bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Yanis Merdji. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ouais, c'est très bien défendu. Et le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand-chose de positif ici. Beaucoup trop de suffisance dans cette action. Bonne pression pour reprendre la possession. On voit que la possession est très équilibrée. 0-0 pour l'instant. Mais on a deux équipes qui veulent être protagonistes, qui cherchent à produire des choses. Ça donne une rencontre très ouverte. Le ballon est maintenant récupéré. L'impossible, ce que l'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et derrière, le 1 contre 1,
un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Un but extrêmement important, il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer, le suspense est garanti. Rémi Dugimon. Ah non, ce ballon est perdu. Plus que 5 minutes avant la fin et toujours ce petit but d'avance à défendre. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas démarqué vu la trajectoire de cette frappe. D'arrêt de jeu. Gomis. Ah, la différence est faite. Elle plonge pour intercepter cette balle. Et un corner qui pourrait bien leur offrir une avance plus confortable. Le ballon est joué court. Le bon crochet vers l'intérieur. Attention la frappe. Excellente intervention. C'est terminé donc le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et une bonne victoire de l'équipe locale. Un scénario extraordinaire avec ce but de la victoire en toute fin de match. Quel suspense!